comme centre de compétences SEDJ. Et dans SEDJ, pour le moment, donc, nous faisons les produits donc, de la ligne 30 à la ligne 1000. Bon, nous sommes partenaires SEDJ donc, depuis la création donc, de E-Tech Solutions, donc, depuis 2009. SEDJ a des solutions donc, vraiment adaptées à notre écosystème économique. Donc, qui est plus constitué donc, de petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, SAGE est le numéro 1 en termes donc, de logiciels donc, de gestion. Et nous avons donc, principalement donc, des responsables donc, de zone qui nous aident beaucoup donc, dans tout ce que nous faisons, qui nous appuient, que ce soit donc, sur la partie clientèle. Nous avons aussi donc, le côté technique. SEDJ nous appuie donc, beaucoup. Et là, je viens donc de voir aussi que SEDJ est passé à une autre dimension avec la fondation SEDJ. Nos zones vont beaucoup en bénéficier. Un concept que je trouve vraiment extraordinaire, de pouvoir quelqu'un, quand il était tout petit, jusqu'à ce qu'il devienne une multinationale, à mon avis, ça c'est vraiment une vision qui me fascine au niveau donc, de SEDJ, si vous voulez. Customer for life. Nous investissons pour vraiment que le client soit au cœur donc, de toute notre stratégie et qu'il soit donc, satisfait à tous les égards. Donc, de point de vue technique, de point de vue commercial, nous avons beaucoup investi pour tout ce qui concerne le système pour gérer ces relations clientèles, pour pouvoir faire donc, le suivi correct de leurs demandes. On est en formation continuelle. Chaque année, tous nos techniciens donc, reçoivent donc, des formations, nos commerciaux aussi, juste pour mieux considérer et mieux résoudre donc, les demandes donc, de ces clients. Nous venons donc, d'une partie donc, du monde qui est l'Afrique subsaharienne qui a beaucoup donc, de problèmes parce que c'est ça que les gens pensent. Mais autant c'est un paradoxe, c'est encore la zone où il y a un peu donc, de marge qu'on peut faire. On est actuellement donc, à des taux qui peuvent aller jusqu'à donc deux chiffres dans certains pays africains. Donc aujourd'hui, that's the place to be et on est déjà là-bas. C'est l'occasion donc d'avoir en live toutes les innovations, tous les changements qui vont s'opérer donc dans les mois donc à venir. C'est être membre donc d'une très grande famille dont les idéaux et la vocation tournent autour de comment créer donc plus donc de valeur.